l'accueil. Le premier jour, on a toujours beaucoup d'appréhension, mais le parcours d'intégration est très bien construit. Je n'ai pas été seule une minute. J'ai rencontré l'intégralité de mon département et également mes collègues rattachés aux fonctions support marketing. J'ai rencontré des personnes intéressées, intéressantes, ouvertes, accueillantes. J'en garde un très bon souvenir. Je suis ravie d'être dans ce groupe. Les missions qui me sont confiées sont particulièrement intéressantes et me permettent d'interagir avec de nombreux collaborateurs. Je découvre un secteur que je ne connaissais absolument pas. J'apprends chaque jour et j'apprécie qu'on m'intègre à part entière au projet. Le gros plus, c'est des tuteurs particulièrement pédagogues qui s'investissent aussi bien sur le plan professionnel mais également universitaire. J'entame ma deuxième année au sein des laboratoires Servier. À l'issue de ma première année, j'ai dû produire un rapport pour expliquer les missions de mon département, la coordination budgétaire et en montrer la valeur ajoutée. L'idée, c'était de réussir à vulgariser le sujet de façon à ce que nos partenaires, avec lesquels nous travaillons, puissent comprendre notre démarche et le but de nos actions. J'ai reçu de très bons feedbacks, aussi bien de mes collègues que de ma hiérarchie. J'en suis très fière. L'équipe a été amenée à déménager d'un étage. Et le premier jour de mon nouveau contrat, je ne retrouvais pas l'emplacement exact de nos nouveaux locaux. J'ai parcouru les couloirs et j'ai trouvé un bureau avec le sac de mon chef. Il a un sac bien particulier. Donc je me suis installée à côté de son bureau. Sauf que quelques secondes plus tard, quelqu'un est revenu, mais ce n'était absolument pas lui. Donc on s'est regardé avec beaucoup d'étonnement. Et je me suis levée et je suis partie.